Certains d'entre vous font peut-être un complexe sur leur physique. Vous trouvez que vous avez un gros nez ou des oreilles décollées. Eh bien, ce n'est absolument rien à côté des 10 personnes dont nous allons vous parler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Léon Botta, un adulte enfant. Léon Botta est né au Cap, en Afrique du Sud. Il était atteint de progéria, une maladie génétique extrêmement rare. Il vieillissait très vite. Cette maladie se voit quand un enfant a entre 18 et 24 mois. Les enfants atteints de la maladie ont des cheveux rares, ressentent des douleurs articulaires et ont une peau très fine et sans poils. Ils souffrent également de troubles cardiovasculaires. Léon Botta est mort à 26 ans. Dédé Koshwara, l'homme arbre. Dédé Koshwara est un Indonésien de 42 ans, connu pour être l'une des 3 personnes au monde victimes de la maladie de l'homme arbre. Des verrues ressemblant à du bois poussent sur lui. Bien qu'il les ait fait retirer plusieurs fois par chirurgie, celles-ci reviennent sans cesse. À sa mort, ses mains et ses pieds étaient recouverts d'environ 6 kg de verrues. Joseph Merrick, Elephant Man. Joseph Merrick était un Anglais qui fut présenté comme phénomène de foire avec le surnom d'Elephant Man. Il était connu en raison de la difformité extrême de son corps. Un film a été fait sur sa vie avec Anthony Hopkins. Deepak Kumar, 4 jambes et 4 bras. Deepak Kumar est né avec 4 jambes et 4 bras. Deepak est en réalité joint à son jumeau parasite. Dans le ventre de sa mère, le jumeau parasite a stoppé son développement et Deepak a absorbé les membres de celui-ci. Vivant en Inde, certaines personnes le prennent pour un représentant du dieu Vishnu qui a 4 bras. Xodao, le poisson mort. Xo semble parfaitement normal, mais il est atteint de triméthylaminurie. Cette maladie génétique lui donne une odeur de poisson mort. Il n'existe aucun traitement aujourd'hui pour le soigner. Les personnes atteintes de cette maladie génétique peuvent avoir des difficultés à vivre en société et peuvent sombrer dans la dépression. Anki, le loup-garou. Anki a le syndrome du loup-garou. C'est une maladie génétique qui augmente la pilosité sur une partie ou le corps dans sa totalité. Seulement une 20aine de personnes dans le monde ont cette maladie qui est peut-être à l'origine du mythe du loup-garou. Anki vit normalement malgré cet excès de poils. Michael Tal, l'homme crabe. Michael Tal est un champion du monde d'échecs qui habitait en URSS. Il n'avait que 3 doigts à la main droite. Il devait cette particularité à une maladie génétique, l'ectrodactylie. Sayali Kapaz, l'enfant serpent. Sayali Kapaz a 13 ans et vit en Inde. Progressivement, son corps se recouvre d'écailles. Pour ralentir la propagation des écailles, Sayali doit s'asperger d'huile spéciale 3 fois par jour et utiliser des produits de beauté spécialisés. Son petit frère de 11 ans est atteint de la même maladie. Fu Wengui, le garçon girafe. À 15 ans, Fu Wengui ne mène pas la vie d'un adolescent normal. Ce jeune chinois est né avec 10 vertèbres dans le cou au lieu de 7 pour vous et moi. Résultat de cette malformation, Fu Wengui a un cou bien plus long que la normale, ce qui lui vaut le surnom de garçon girafe. Ce problème de santé est très rare et très douloureux. Les vertèbres pressent sur les nerfs de son cou et rendent la marche difficile pour lui. Le bébé Hong Hong. Hong Hong, qui a presque 4 mois, a le polydactylisme. C'est une maladie génétique qui fait avoir des doigts et des orteils supplémentaires. Ce n'est pas une maladie rare. Elle affecte environ une personne sur 1000 à la naissance. Typiquement, cependant, seulement une main ou un pied est affecté, avec un doigt ou peut-être 2 supplémentaires. Hong Hong est né dans la province de Yuan en janvier. Il a 15 doigts et 16 orteils. Il n'a également pas de pouce. Que pensez-vous de ce top ? Laquelle de ces mutations vous a le plus choqué ? Donnez-nous votre commentaire.
N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que nous vous présentons.